Bonjour la VOD, bienvenue dans cette suite de soirées sur Among Us avec les mêmes personnes bien sûr. Plaisir. C'est la guerre. La guerre des couleurs. Mets un super commentaire en dessous bien sûr. Regardez déjà, j'ai oublié. Ne fais pas ta connasse Rivenzy. Oh. Rave. Facile de mettre 6 sur de moi de sub. Fabi Mysteries. Mystery. Ah non, c'est parce que j'avais parlé à mon chat et que j'ai vu que j'étais pas mute. C'était lent pour essayer. Direct, ok, let's go. Direct. Ah, okay. Bah attendez, là, ça comptait pas, donc autant y aller direct. Ah, okay. Bon, bah. Let's go, bro. Ah merde, du coup, j'ai été trop vite pour la prédiction. Désolé. GDG ici. Ultia ici. J'aime beaucoup les caméras ici parce que quand t'es à l'intérieur, tu les vois pas spécialement. Django qui monte là-haut. Django qui monte là. Ouais. Nagara qui fait des tours. Django qui se balade, hein. Pourquoi il venait de là-haut? Il y a une vente là-haut. Rivenzy avec bleu là. Avec. C'est qui? C'est Ultia, ouais. Rivenzy, Ultia. Ah, mais Ultia, elle était au cams avec moi, c'est barré. Ouais. Bah, je pense qu'Ultia est innocente. Ouais, tu danses au cam, Bagara, ok. Je pense qu'Ultia est innocente. Ah, c'est trop con, Ultia. C'est trop con, Ultia. Ah, c'est trop con. Ah, c'est trop bête. Vraiment, j'étais au cams avec Ultia et je la voyais faire des tas. Je me suis dit, elle est innocente, mais elle a oublié que j'étais encore au cams et elle a tué JDG. C'est trop dommage, Ultia. Parce que si c'est la vérité, moi, j'ai le deuxième. Bah, c'est la vérité. Et pour moi, j'y crois bien. Antoine, moi. Oui, on s'est croisé au T'étais au cams, ensuite t'es descendu en bas, t'es allé en bas de O2, là où il y a les deux petits trous qu'il faut tourner, là. T'es resté dans cette pièce, du coup, je me suis dit, bon, elle m'a l'air innocente, Ultia. Et en fait, je checkais les cams, j'ai changé. Et à un moment, je te vois avec JDG en bas, et bah, tu le tues, en fait. Juste, tu le tues, quoi. Ah. Voilà, c'est juste, tu le tues. Mais n'importe quoi, puis ça aurait très bien pu être. Mais un monde est possible où quelqu'un d'autre aurait pu rentrer dans cette pièce pour tuer JDG, non? Ah oui, mais sauf que c'est en fait c'est pas je t'ai vu dans la même pièce que le cadavre, j'ai vu le couteau avec l'animation du kill de toi sur JDG en fait. Ah là, ça va plus loin effectivement, c'est des graves accusations très détaillées. Ce sont de graves accusations. Allez hop là. Attendez juste pense. Bah moi c'est cadeau, c'est moi qui offre un Django à 20 devant moi au tout début de la game. Voilà. Et je tiens à dire effectivement que pour avoir été au cams, je trouve que Django se balade beaucoup. Attends, pousse, impossible. Pousse. Non. Attends. Je suis parti directement à admin. Je peux même dire qu'il y a une personne qui est partie instantanément à storage. Je suis remonté à storage pour voir qui y était. Je n'ai pas eu le temps de voir. Je suis passé en electrical pour voir qui y avait. Il y avait donc Ponce, Jean Castex et Ultia qui étaient sur les cams. Jean Castex qui était caché dans un coin. Je suis reparti ensuite à admin et je suis resté là-bas toute la game. Bah, je t'ai vu en fait. Et tu m'as vu vent d'où à où du coup? Bah alors moi je sais pas jusqu'où t'es allé mais en tout cas non, ça bien clair. Au niveau de... Aussi Osval pour les 4 mois, Flooper pour les 775 bits cam, et Touranger Blue pour les 2 mois. J'étais en train de faire ma Joker, Joker pour les 3 mois. Coup, j'entends... Oui. Fabien Béra pour les 3 en mois. Fait, je vois pas vraiment mais je savais que j'étais avec Ultia, Jean Castex et toi. C'est et impossible. Là je vois Ultia, Jean Castex mais pas toi. Juste après ça je suis allé en gros dans l'électricole au cas où quelqu'un, enfin que les imposteurs coupent l'électricité. Je suis allé là-dedans. Attends, t'es où à admin? Moi j'y suis, j'étais pas vu. Non mais de toute façon, non mais au pire vous savez quoi, On a Ultia 100%. Mais moi je tiens à dire juste pour appuyer ce que dit Ponce par rapport à Django, je trouve que Django, pour avoir été au camp toute la game quasiment, se balade énormément sur les deux, un peu partout. Django il est pas admin, là il a dit qu'il était admin, moi j'y suis. Ah ben je suis complètement admin. Je suis complètement admin, je peux dire qu'il y avait une personne spécimen. J'ai vu admin en sortant de spécimen. Enfin j'ai vu Django admin en sortant de spécimen. Ah oui non. Mais c'est Petrius pour le prime. Ça veut pas dire grand chose mais je l'ai vu. Oui, moi, non, je me fais enrôler par Jean Castex. Moi, je vote Ultia, je me fais. Ah, mais faites-moi confiance, les amis. Hein. Voilà, les deux imposteurs qui skip. C'est dommage parce que Ultia, c'est la seule qui m'a vu faire la clé. Ah merde! Mon master troll n'est pas passé. Désolé.
Putain, c'est trop con pour elle, j'allais vraiment l'innocenter, quoi. C'est vraiment dommage. Putain, j'ai pas ce truc à faire à spécimen. Ah, aussi. C'est qui? C'est bleu, c'est Rivenzi, je crois. Merci Marcel Patugliacci pour le prime. Mais je pense que c'est Django aussi, hein. J'ai trouvé son attitude très suspicieuse. DFG avec moi. Mais putain, je... Nick. Nick. MV qui revient. DFG sur la vente, mais bon, après, ça veut rien dire. Il y a une quête à faire là-haut. DFG qui descend avec moi. À Specimen Room. Bon, DFG, je pense que s'il me tue pas, on s'innocente tous les deux dans tous les cas. Et voilà. Non, reste avec moi, DFG. Viens, on s'innocente tous les deux. Reste avec moi, DFG. Attends-moi. Putain, mais... C'est Captain Jack Sparrow. Jack Soro, pardon, pour le Prime. 15-07 pour le Prime également. Merci beaucoup. C'est quoi le truc d'étoile ici, hein? Il est là et il fait quoi ici? Ça sert à quoi de faire ça? Il y a Yellow qui est mort. C'est Bagheera, je crois, ou Ponce, je sais plus. Django Rivenzi. Ou non? Oh, je vais crever. Oh, Django va me tuer. Ouh, il va m'assassiner. Il va m'assassiner. Eh. Ah, c'est déjà ouvert. Django avec Ponce. Ponce, Rivenzi, Django. C'est pas avec toi, moi. DFG et moi, on s'est vraiment... Alors, je tiens à dire, ça fait très longtemps qu'elle est morte. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai vu au Vitals qu'elle est morte. Ouais, ok, ouais. D'accord, ça marche. Tu étais où, toi, Django, avant l'électricité? J'étais où avant l'électricité? J'étais... Je sortais d'office. Ok. Sur la gauche ou sur la droite? Par la gauche. Je confirme, effectivement. Tu as fait ça. Très bien. Où est le cadavre, Riv? Il est laboratoire. Mais c'est vrai que ça fait... Moi, j'y étais passé une première fois, il n'y avait personne. Là, j'y repasse une deuxième fois, il y a le cadavre de... J'ai croisé DFG et Antoine il y a longtemps. Mais c'était il y a longtemps. Je peux quasiment... Alors, même si on n'est pas resté toute la game ensemble, mais vraiment, c'était longtemps ensemble, DFG. On a fait tout spécimen ensemble. Justement, on était à laboratoire ensemble et ensuite, on a fait spécimen. Et puis ensuite, on s'est un peu séparés et on s'est retrouvés vers Electrical. Et ensuite à O2, on est descendu à O2 ensemble. Mais je sais pas trop ce qu'il a fait entre les deux, mais je ne pense pas que ce soit plaisir. Lui. Où est-ce que vous étiez, MV et Ponce, là maintenant? Maintenant? Ouais. Je sais, j'étais en train de faire ma dernière quête. Je faisais la troisième roue à l'extérieur en bas, là. D'accord. Et toi, Ponce? Et moi, j'ai pas encore fait la partie droite de la map. Et là, j'allais rentrer dans labo. Je suis entre storage et labo. Et tu étais où avant ça? Avant, j'étais à storage, je terminais mon storage. Avant, j'étais tout dans ce coin-là, j'ai remis l'électricité la première fois qu'elle s'est éteinte dans le round. Je suis resté bien à gauche, mais j'avais pas de quête O2, moi, par contre, trop chelou. J'ai un peu tout pour les 3 mois. J'ai un peu ce qu'il faisait, ses petits bails et tout. Je t'avoue que je t'ai pas revu en passant. J'ai croisé personne. J'ai croisé que MV quand il faisait Asteroid. Au tout début. Ah oui, tu faisais download. Parce que là, j'ai remis Electrical avec du coup DFG, Castex et Django. Et en repartant, moi, tout seul là-bas, je t'ai pas vu du coup. Non, c'est intéressant ça. Vous étiez à 2 en train de faire Astéroïde, du coup MV Ponce? Non, moi j'ai pas fait Astéroïde, moi j'ai fait... Enfin, vous étiez Weapons à 2, c'est ça? Ouais, en fait, au tout début, je suis allé à Weapons et j'ai vu Django et je suis parti en faisant « Au secours !» Et je suis revenu pareil, plus tard. J'ai fait exactement la même chose. Et j'ai fait mes Astéroïdes et Ponce faisait à droite l'upload. C'est ça, et j'ai fait la même chose à la base.
Et sinon, pourquoi on s'est pas croisé, Riff? Parce que, comme je te disais, en fait, j'ai fait storage. J'ai terminé storage avant de. Excuse-moi, j'ai dit peut-être que c'est storage. Bon, là, on est en train de discuter, mais on sait tous que c'est lui. Hein. Oui, on sait que c'est Django. Je pense que ça vaut le coup d'y aller. Mais... on va voter Django de toute manière. C'est. Je veux dire, bon. C'était un bel échange, quoi. C'était cool. En vrai, c'est chouette. Je trouve que vous discutez vachement bien. On se laisse. Ouais, bien sûr. Bien joué. C'est bon, l'ambiance. Ah, vraiment l'enfer. L'ambiance n'est pas délétère. Mais c'est terrible. Mais tu sais que je n'ai vraiment pas vent au début. Ah, bah... ah, mais décidément, tout le monde, c'est une hallucination collective. Une hallucination collective. Vraiment pas vraiment. La ganja, tout ça, quoi. Et ben voilà. Ah, du beau travail. Du beau travail. Joli. Le pire vote, mon dieu. Bravo. Ah, c'est lourd pour les 100 bits. Il y avait un sixième sens. Vous voyez des trucs qui n'existent pas, mais c'est bien. Ah, c'était un moule vote, alors, c'est ça? Bah, franchement, c'était quasi sûr que c'était lui. Moi, je faisais un peu confiance à Ponce au début. Même si, bah, Ponce, en fait, il a des feelings sur des choses qu'il ne voit pas, mais, ouais, mais qui sont réelles c'est quand même. C'est pas vrai, vrai. Hein. Ouais, mais les choses se sentent. Mec, tu sais qu'il a même pas 20. Ouais, tout le chat me dit qu'il a absolument pas 20. Ah non, non, j'ai vraiment pas 20, hein. C'est terrible. Oui, oui. Ah, ouais, je. En fait, bah, tu dégoûtes, Ponce, hein, voilà. Le Gus DX de mon gosse, quoi, Ponce. Complètement. Alors, Ultia, t'avais 20 à ce moment-là? Ah bah, c'est. Sixième Newter pour les deux mois de sub. T'as eu le choix, hein. D'ailleurs, je savais pas que la caméra, elle passait à travers les murs. Ah, si, si, tu vois. En fait, elles sont placées à l'extérieur, mais à voie l'intérieur. À voie l'intérieur. Bien sûr. Il y a une très forte féminine qui apparaît là-dessus, je pense. Ah, mais du coup, je suis vraiment désolé. Merci Delzeb pour les deux mois. Bah, écoutez, bon, après, c'était lui, quoi. Mais du coup, c'est improbable que ça soit toi, vraiment, du coup. Ah, bah, Après, comme je te disais, déjà à la base, quand j'étais au cam au premier round, je le voyais vraiment se balader un peu à droite à gauche et je me suis dit, c'est quand même bizarre, quoi. Mais bon. Faut savoir que je me balade beaucoup sur cette map, honnêtement. Effectivement, Je crois qu'elle est belle, cette map. Hein. Elle est magnifique. C'est une claque. C'est la meilleure map, c'est la meilleure. Il n'y a pas de bruit. Y a même pas de bruit de vent quand on vente et en fait non, le bruit y a pas de... Le chat m'indique que c'est très probablement quand j'ai ouvert le truc pour faire les fils. Ah mais c'est 100% truc électrique. En fait, ah putain. T'y allais au bruit de vent en dans le sol. Ah c'est Vectel, TaxSync, ouais c'est moi de Sam. À chaque fois que j'ouvre le panneau électrique, y'a un gars qui vente. C'est Vicious Sam pour le prime. Je le vois pas. À chaque fois que j'ouvre. Le timing de le mec, il est trop fort. Incroyable. Je suis désolé du coup. C'est Mister Nul Nub pour le Sam. Accusation gratos. Non mais t'excuses pas, on a gagné. C'est bon. C'est vrai qu'on gagne, hein. Ça me va. Rire de droite. Full crewmate ce soir. La DFG, il fait ça à chaque fois. Il fait semblant de la clé à chaque fois. Mintos avec Ponce. Bagheera avec bleu clair, c'est Ultia. Ultia, Bagheera qui reviennent. MV à télescope. Les lights. Ça descend. Ah putain. Oh merde! Je suis obligé de dire qu'elle est innocente du coup. D'habitude on fait pas ça. Merde, j'ai pas fait exprès. J'avais pas vu dans le noir qu'elle était là. Bon bah du coup elle est innocente, tu le tiens. Merde. Merde. Bah c'était lente pour les 100 bits. J'espère qu'elle va mourir maintenant, comme ça j'aurai pas à dire. Comme ça j'aurai pas à dire ça. Meurs, Ultia, s'il te plaît. MV. Oh, mais non! Terrible, pas encore. Aïe, aïe, aïe. Oh non, pas encore! Qu'est-ce qui se passe? Bah, alors, je sors... Attendez, excusez-moi. Je sors de spécimen. La personne à qui je vais parler sait que ça va lui tomber dessus, donc prépare bien ta défense. Je sors de spécimen. Je sors de spécimen à bureau, là. Enfin, merde, le truc central, là. À admin, pardon. Et du coup, je vais direction la salle où il y a les vitals. Je vois MV sortir de cette pièce. Je rentre dans la pièce. Le cadavre de Bagheera est là. Aïe, attends, attends. Non, non, attends, je suis spécimen, moi. Tu es sûr? Quoi? Non, quel mytho! Je suis spécimen, je suis en train de...
Alors j'aurais pu te croire en disant qu'il y avait quelqu'un d'autre, t'aurais pu dire qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce, tout, mais le fait que tu dises que t'es un spécimen, c'est faux en fait pour le coup. Grosse défense. Bah comment ça? Bah comment ça? Mais je viens de te croiser il y a 2 secondes, t'étais pas un spécimen MV. Putain mais t'es sûr que c'est moi que t'as vu? Il y avait les lights off, non? Non, pas à ce moment-là, non. Putain, mais moi j'étais en train de terminer mon Simon, quoi. C'est n'importe quoi, MV. J'avais 3 quêtes. MV, n'importe quoi. Spécimen, j'ai fait les putains de. Non. T'étais admin. Les pierres crânes et machin, et je suis en train de terminer mon Simon. Est-ce que tu es sûr que c'est moi que t'as vu? Ah, mais t'es bien. T'as confondu le rose et le violet. Non, t'es bien le rose avec écrit MV au-dessus de toi, MV. On est d'accord, c'est bien toi. C'est bien toi. Je pense que c'est une hallucination collective. Quand ça commence à citer du Sylvain Durif, faire profiter de son sixième sens sur ce coup-là parce que ça nous aurait bien aidé. Stoolians pour les 10 mois. Aïe. Et aussi truc terrible, mais je peux pas le dire, mais je peux innocenter quelqu'un, mais j'ai pas fait exprès. Oui. J'ai pas fait exprès. Moi, je peux innocenter quelqu'un. Par contre, c'est Rivenzi. Oui, c'est vrai que tu m'as collé les basques, c'était assez insupportable, effectivement, oui. Non, mais même, genre, il a fait storage instant, alors à moins je sais que vous êtes dans les hallucinations collectives et que ça vous réussit bien, mais pour le coup, ce n'est pas moi qui l'ai croisé, Antoine. Pour le coup. Xavier. Ce n'est pas moi. Il y a beaucoup d'hallucinations. Il reste 30 secondes. Non, mais c'est MV. Écris-nous ce que tu as fait. MV. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai commencé le round à droite, j'ai fait la température vers le bas à labo, j'ai fait télescope, et j'ai fait une autre quête, j'ai pris le sas pour aller spécimen, et là, j'avais les 3 trucs. J'avais les chiffres, on fait quoi, les trésors. Je votais pour lui, c'est juste parce qu'il restait 30 secondes. À quel moment, du coup, j'ai pas compris. Tu peux pédaler dans la smoule, tout ça, mais bon. Au revoir, MV. Bravo, à vous. Pour les 7 mois de sub. Je vous dis, JDG à 20 le round devant. Ah. Quoi, c'est vrai? Mais on va faire une game normale. Qu'est-ce que tu racontes? Quel bâtard. Je vais dire ça maintenant. C'est vraiment une ordure, DMG. Mais j'ai encore un truc à faire ici. Ah, mais je l'avais pas fait tout à l'heure. Oh non, j'ai le putain, j'ai l'essence à faire, au secours. Aucun plaisir. Incroyable. Les hallucinations collectives. Mais j'ai encore un truc à faire. Oh là là. Oula. Attends, je vais voir s'il n'y a pas un cadavre là-dedans. Je le vois pas en tout cas. DFG qui revient. Reviens d'où, DFG? Tu fais quoi? Ouais. Allez! Putain, j'ai un truc à. Non, attends, il faut que je fasse ça. Je peux pas me permettre de. Oh non, les bâtards! Django JDG là-bas? Attends, mais ils sont sérieux là? Mais vous êtes sérieux là? Bon, ok. Non, il y avait qui à gauche? Il y avait personne à gauche? Bah moi j'allais à gauche justement et j'ai pas eu le temps d'y arriver. Mais j'étais à droite et ça fait 10 ans que j'attendais. Bah ouais, je suis avec JDG à droite. Le cadavre, il était en O2 ou pas? Les cadavres sont en O2. Les cadavres sont en O2, bah du coup c'est... Et pourquoi tu y es pas allé? Parce que j'ai vu qu'il y avait 2 morts sur Vitals et je savais pas trop où est-ce que ça en était des... Attends, une seule personne aurait-il... Non mais du coup c'est Mintos. Attends, est-ce qu'une personne aurait pu faire 2 kills? J'étais vers Admin, là, et je remontais. À mon avis, c'est un kill sur... En fait, c'est un kill sur l'arbre. Et je pense que le deuxième kill, c'est quelqu'un qui allait voir le kill sur l'arbre et qui est mort, genre, à l'entrée de la pièce. D'accord, ok. Ouais, et du coup, c'est Mintos 100%.
Pourquoi c'est une mytho 100% que je viens de dire que j'étais admin et que je remontais vers JDG? Oui, peut-être, mais Lucia, je l'ai laissé en O2 avec toi là-bas. Et avant ça, j'étais aux armes. J'étais juste aux armes. Je descendais et j'ai descendu aux armes. Et avant ça? Et avant ça, j'étais juste vers les communications. Le truc, mais du coup, le truc à côté des communications. Tuer, et un peu avant ça. Ah non, non, bah non, bah non. Juste pour sécure, hein. Oh, mais avant, vous n'avez pas demandé ce que j'ai fait depuis 10 minutes. Là, le round dure depuis 10 minutes. C'est quoi hier? T'étais où alors en septembre? Oula. Après, je suis redescendu. Je suis allé aux caméras, je suis redescendu par la droite. J'ai fait l'espèce d'arme et le truc au-dessus. Et après, je suis remonté vers le JDG. Attends, mais du coup, t'étais... Attends, l'espèce d'arme? Le truc là en bas, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas joué en vrai. Le truc. Oh armes... non, allez, ça, c'est le genre d'argument de ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça me donne envie de te tuer, mec. T'es jamais allé en O2. J'ai fait le truc des armes et le truc juste à côté des communications. Le merde, comment ça s'appelle? L'espèce de maison à côté des communications sur la gauche de com. À gauche de com, bah c'est l'O2 en fait. Non, juste à gauche du truc de com là. Bah, au milieu, c'est... en plein milieu. Il y a rien en fait, t'as la neige. C'est communication. Là où il y a le knob, là, le truc qu'il faut tourner. Ah mais c'est ça communication. Et bah voilà, à communication, puis après j'ai fait arme, puis après je suis remonté et tu m'as vu avec le JDG. Oui, je t'ai vu avec le JDG en haut à droite effectivement, mais ouais. Bah c'est le seul moment où je t'ai vu quoi, mais oui. Ce que je peux vous dire, c'est exactement ce que j'ai fait de la game quoi. Je suis pas du tout allé à O2. Mais c'est faux, je t'ai vu là-bas. Enfin, tu peux pas me dire que tu y es pas allé, je t'y ai vu. Mais c'est toi qui m'accuse depuis tout à l'heure, enfin je sais pas. Ah oui, oui, complètement. Je suis allé... C'est littéralement là-bas que je t'ai laissé avec Ultia. Je suis allé dans le couloir, je suis allé dans le... Comment ça s'appelle? Bon, qu'est-ce qu'on cam, fait j'ai fait pour moi, ça peut être... Moi, j'ai voté Mythos. Bon. On te fait confiance, Django, hein. Sinon, ouais, tu passes à la moulinette, sinon, je te préviens. Après, j'évente juste avant. Ah merde. Merci Prospect pour les 200 bits. Allez. Oh, oh non, Baguera, je viens de voir tous tes messages. Mais par contre, très bien joué. Je saigne. Mythos, hein, sur Ultia, parce que vraiment, le pire, Baguera. Le timing, hein. Non, mais le pire, c'est que j'ai tout fait avec toi et je me suis dit, bah c'est cool, on va être photo. Et en fait, je commence pour les 9 mois. Et tu fais la carte tout face, la machin. Et je me dis, merde, j'ai oublié de la faire. Et au lieu de me dire, bon, bah c'est pas grave, je vais faire genre, j'ai oublié et je reviens pour la fake, je me dis, je panique et je me dis, faut que je la tue, elle va me balancer parce que j'ai oh pas fait non, la carte. Non, mais j'ai même pas vu, moi. Moi, j'étais en train de dire, ah, c'est trop cool, j'ai un copain. Et c'était fini, quoi. Non, en fait, ce que j'ai vu, j'explique un petit peu parce qu'il y a des gens du chat qui ont pas compris. En fait, il y avait pas la lumière, la lumière était éteinte et j'allais faire le scanner. Je suis arrivé sur le scanner et il y avait écrit Waiting for Ultia, je l'avais pas vu, du coup on fait plus ça normalement, on fait plus ce genre de choses. Mais du coup je savais immédiatement que Ultia était innocente. Dans ce cas-là, en vrai tu fais bien. Bicun. Ça m'a fait rigoler Deidera. Désolé Mythos. Vas-y, hurlé. Mais oui, MV, en fait, MV, j'aurais pu avoir des doutes sur toi, mais quand t'as dit que t'étais à Specimen, c'était juste pas possible. J'étais concentré sur... Oh, puis j'ai mis 20 secondes à tuer Ponce, là. Oui, j'aurais pu dire que j'allais check la table d'admin, tel un pro player, mais peu importe. Eh ben écoutez. Il fallait tenter. C'était très drôle. Et je pensais que les likes étaient off. DGS, c'était pour le seul. Vraiment, Mythos, le kill, le timing, c'est au moment où Django s'en va, il kill Ultia et Django part, mais très bien joué, quoi. Ouais, franchement, bravo. Je suis chétif. Merci la bobine pour les 5 mois. Et bah, Baguera, c'est terrible encore. Full crewmate. Yes, imposteur. Bon bah, c'est Ponce, hein. T'es pas mute, mec. Merde. La mute. Mais je sais. Le fake. Vas-y, je vais aller au... Qu'est-ce que tu t'arrêtes comme ça, toi? C'est qui est au cam? Qui est au cam immédiatement, là? Rivenzway et Django. Rivenzi, Django. Bagarre MV, JDG. MV qui danse aux caméras. DFG qui fait le... Oula. MV avec ses rouges là-bas, je crois. Est-ce qu'elle va refaire le kill ici? Trop bizarre, pense. Ulti MV Baguera. Django qui se planque.
Oula, attends. Ouais. Ultia qui monte là-haut. DFG qui va au Vitals à ce moment-là. Bagarre à Django. Ultia pense. Mais en fait, il veut cacher les caméras, Django. JDG. Je crois que c'est JDG que j'ai vu à gauche, là. Enfin, du coup, je fais pas du tout mes quêtes, moi, hein, mais bon. Putain, mais... Ah, mais putain, ils le refont. DFG qui monte. Bagarre Django. Django min... Ouais. JDG et Bagheera sont en haut. Ah oui, JDG et Bagheera sont ici. JDG et Bagheera, ouais. Mais attendez, mais... Y'a les imposteurs ou quoi? Mintos. C'est pas moi les coms, je le jure. Putain, les coms, quelle galère. J'étais aux caméras tout le long. Et je tiens à dire, j'ai beaucoup aimé votre petit spectacle Django, Bagheera et Ponce. Oui. C'était très bien. Très très bien. C'est pas ça, j'ai pas l'imposteur qui fait les réacteurs à chaque fois qu'on est caché, mais c'est très chiant. Ouais, c'était dommage. Je sais pas, moi je vois Django qui pleure dans un coin, je me dis je vais aller voir. Moi aussi. J'ai pas trop compris, j'avoue. Merci. En tout cas, est-ce que tu as aimé ce magnifique coup de pression Bagheera au début? Mimine pour les 7 mois. J'ai hurlé. Erican pour les 4 mois. J'avais tellement Je l'ai poursuivi dans les couloirs. C'était On horrible. A bien eu le temps de faire des tâches, hein. Ça c'est bien. Alors, moi j'en ai fait aucune. J'en ai fait aucune. Voilà. Est-ce que le sabotage des coms, c'est pas un coup de MV qui veut se faire passer pour DFG? Mais pourquoi ce serait MV? Le man. Le five head. Bon, attends, juste pense, il est où le cadavre? Est-ce que JDG qui accuse toujours DFG de faire les coms n'aurait pas fait les coms? Est-ce que DFG pense d'avoir pas fait les coms à la place de Mind Game? Est-ce que DFG aurait pas fait les coms en pensant que vous alliez dire que c'était Ah ouais. Mais est-ce que Bagheera t'aurait pas fait les coms en justement en disant que quelqu'un d'autre aurait fait les coms est-ce alors que c'est DFG? Tu n'aurais pas fait les coms pour en pensant que j'aurais dit en disant qu'il était aux caméras et que du coup ça l'innocentait. Ça serait pas Domingo tout simplement. Domingo. Bon, pense, il est où le cadavre? Triste de savoir qu'un de mes meilleurs amis a disparu et que tout le monde s'en fout. Mais non, mais il est où le cadavre, pense? Je te demande depuis tout à l'heure. S'il vous plaît. Bah ouais, mais j'ai même plus envie d'en parler, donc non. Alors, en fait, le truc, c'est que je savais même pas que c'était moi qui avais report, parce que j'ai spammé le bouton report, mais il n'y a pas eu, vous savez, l'animation du clic. J'ai pas eu de retour, c'était trop bizarre. Oui, et au final, ça a toujours des trucs bizarres. Hein. Et au final, ça report. Et en fait, le corps, bah, je ne le voyais pas, parce que je venais de rentrer dans le SAS, je venais d'arriver labo. Tout en haut, je rentre dans le SAS et là j'ai le bouton report mais je ne vois pas le corps et genre je mets ma souris dessus et j'appuie mais en me disant de toute façon ça va pas marcher, je vois pas le corps et ça a marché mais j'ai pas eu de un film d'Halo et Asgore pour vos primes. Moi non plus. J'ai rien compris non plus. En gros il a report mais c'est pas où il est, c'est en gros, juste qu'il avait pas le bouton s'allumer. Je sais pas où il est mais à mon avis il est dans le couloir entre le SAS en haut et Spécimen, voilà. Ah je suis pas du tout allé par là moi. Bah moi non plus du coup. Alors moi j'ai fait Spécimen tout au début, il y a bien longtemps j'ai fait beaucoup de choses. Alors j'ai fait le tour de la map moi, je vais pas vous cacher, j'ai bien eu le temps. Et la dernière personne que j'ai croisée pas très loin c'était Spécimen DFG. Au début Bah non parce que j'ai recroisé après au couloir. Ah t'es passé par en bas. Moi j'ai juste DFG. Moi en gros j'ai vu, bah je sais que Ponce a fait son scan. Qui m'a vu à la table d'admin, j'ai fait les derniers fils que j'avais sur la veine des toilettes en gros. Ouais. Et je suis ressorti tout à gauche, je me suis dit, attends, faut que j'aille au coms pour montrer que c'est pas moi. Oui. MV, du coup, t'es allé en haut et ensuite t'as descendu à Spécimen et ensuite t'as rejoint vers les coms. Mais je suis au début au début, ouais, j'étais poursuivi et ensuite je suis allé admin, Spécimen Room et j'ai fait des milliards de trucs après. J'étais weapon, j'ai fait coms. Mais non, bah c'était revenu à. Ah, ok, ouais. Ouais, je suis pas sûr. Allez. Attends, t'es allé à Spécimen d'en haut? Parce que t'étais tout de suite, bref. Attends, faut que je fasse mes quêtes. Secours.
On va commencer par les stéroïdes. Putain, mais j'ai rien branlé, quoi. Putain. Mais en même temps, les imposteurs, ils ont rien fait non plus. Ils ont tué Rivenzi. Et je pensais qu'ils auraient le temps de tuer plus de gens. Oh! Merci. Ça va super vite, cette histoire. C'est MV. Qui va m'assassiner, c'est ça? C'est ça, MV? Bah, super. Super, voilà. Super. Super l'ambiance, quoi. J'adore. C'est énorme. Super. Super. Putain. MV, pas sur imposteur sur eux. Bon, on peut pas en dire de même pour ma part. Je l'ai pas été une seule fois pour l'instant, donc c'est assez terrible. Ah, c'est terrible. GG qui a call MV. Effectivement, c'est vrai. Effectivement. Putain, en plus, on va mettre 10 000 ans à trouver mon cadavre. Ils ont tous fait l'O2. Personne va venir par là. Merci Padawan pour les 100 bits. Connard. Le bandit, quoi. C'était vraiment un petit bandit. Ah mais là, ils vont peut-être gagner, là. Là, on va faire leur... Ah non, c'est bon. Merci Charentier pour les 100 bits. Gentil message qui va avec. Ah enfin, merci. Putain, par contre, c'est... Putain, mais ah vont... bah il était là. Ils vont juste perdre en fait. Cherchez partout. On peut juste faire les tâches et gagner, non? Ouais. Ah oui, ça avance pas du tout. Ouais. Il est mort quand même, je suis sûr, non? Non, il est en dessous à l'arme, mais ça fait un moment qu'il est mort. Hein. Oh Nio. Oh les 3 ans, Nio, merci beaucoup. Gros ouais. Bisous. Quand t'as check les tools, il était déjà mort. Ouais, ouais, ça fait un moment. Okay. Bah, j'étais Gara, tu quasiment pas tuer, toute, là. Toute la game, j'étais avec Windows. Là. Ouais. Il est sur l'arbre. T'es cams comme d'hab. Ah non. Non, je cherchais le corps et t'as eu le bouton de porte avant moi, je pense. On a croisé okay. Ponce avec JDG, mais c'est à peu près. On a croisé Ponce et je crois qu'on a croisé. Je sais pas si c'est Django qui sortait de Specimen. Moi j'ai un remède. Je me rappelle plus. Merci Jay Beacon pour le sub offert à Jancy. That sucks. Pour le sub, merci beaucoup. On a croisé qui sortait du SAS, je crois. On était avec Mintos. Ouais, c'est bizarre qu'il soit si lent là. Mais oui, au tout début en gros. Merci Liavina Chasse pour les 9 mois, merci beaucoup. Ah oui, ouais. Et c'était moi. C'est quand tu fêtes les 3 ans, Antoine? Le 17 de ce mois-ci. Ouais, on est arrivé de là-haut, là où il y a le télescope, tout ça. J'aime bien interroger MV, moi. Non, on y était avec Ponce. Impossible, ouais. On s'est croisé un moment. On a fait Ponce, on a fait la Z. MV va rentrer en killing spree après ça, ouais. On s'est croisé à Specimen. Là, il va falloir qu'il le bam 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 bam. Ah oui, non, mais ça, c'était Specimen avec Ponce. C'était du vrai de la gauche. Ouais, mais là, vous avez pas fait labo. Tu venais. Non, Alex Wag, on ne quémande pas les subs. J'ai fait comms, puis ensuite, je suis allé Weapons. Ça, je m'en souviens. Ok, t'es pas allé aux deux sur ce round? Il me semble pas, non. Non, là, je venais de faire les câbles labo. Enfin, je suis repassé à labo après Comms et Weapons. Je suis allé faire les derniers câbles. Et là, j'étais sur la main, sur le sabotage de droite, tout du long. Merci Zika pour le Prime. Merci beaucoup. Merci The Curtis pour les 10 mois. Je sais pas. Tu te souviens à quel moment on s'est vu ou pas? Aucune info. Est-ce que je me souviens à quel moment on s'est vu? Ouais. Pour être honnête, non, bah si tu me dis que tu m'as vu Weapons, bah du coup tu m'as vu comme Weapons quoi. Merci Redden pour le subwoofer, Alex Wag, King Rass pour le subwoofer, Sanya Cash, Caprout pour le Prime, merci beaucoup. Il est à l'arbre, au-dessus de deux. Bah, j'en ai aucune idée. Quand j'ai croisé MV, il y avait pas les lumières et je l'ai vu genre une fraction de seconde. Et qu'il soit en mode ouais, on s'est vu et tout, c'est un peu bizarre, mais. Ah non, j'ai terminé les lumières. Quand tu m'as dit weapons, je me suis dit bah, probablement, mais justement, j'avais pas de souvenirs distincts quoi. Ouais, c'est pour ça, t'avais pas l'air si sûr. Ok. Merci The Gap Gap pour les 7 mois, Veterini pour les 100 bits. Restez une ou deux à chacun et c'est terminé, bonsoir.
Ok, let's go. Merde, il y avait un message. Ah non, j'ai pas de message. Ouais, j'ai rien dit. J'avoue. Ouais. Par contre, j'ai voté contre MV. Allez. Allez. Il y a ma mère qui vient de rentrer et qui m'a lâché. Le gars sur ton écran, il fait redneck sexy. Merci maman, je suis sûr qu'il apprécie. Parce qu'il y a là un 06. Merci Belle Refond. DPM pour le Prime. Mintos. Pelin pour la 100 bits. Anakin Player pour les 2 mois, merci beaucoup. Miguichou pour l'année. Allez, je finis ma tâche et je vais essayer de suivre MV parce que je pense qu'il va rentrer en killing spree vraiment vénère. Le connaissant, je pense qu'Ultia est déjà morte d'ailleurs. C'est bon, j'ai fini, ouais. Mais je veux voir ça. Il est où? Il est où MV? Là. Ah non, elle est pas morte. Il faut qu'il se grouille. Mais il y a 2 imposteurs en fait. Mais je sais pas ce que fait l'autre par contre. Ah bah c'est elle. Oh là là, oh là 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 là. Ouais mais non, Ultia, si t'y mets pas du tien aussi... Ouf. Ouf. Quoi? Comment ça? Bah je t'ai vu Schlass, Mintos juste devant moi, t'abuses. Ah, c'est avec une player pour être 300 bits. T'as Schlass, si, vraiment, tu l'as buté à la sortie de com quoi. Absolument pas. Mais oui, mais si. Bah tu m'as vu, mais moi j'ai même pas eu le report de cadavre, j'ai rien eu sur mon écran. Ben parce que j'étais en train de report un autre cadavre quand t'es arrivé derrière. En fait, il y avait le cadavre de Bagheera quand Ultia mais attends, a buté Mintos à la sortie de com. Est-ce que ça serait pas une masterclass que t'es en train de me faire? C'est-à-dire que t'as cru que je t'avais vu? Tu crois vraiment que moi je fais des masterclass? Alors que les lives... ah ben, je sais pas, voilà, j'en sais rien. Ça sent la carte contre-sens, là. Merci, Gio Symphonica pour les 2 mois. Asphodel pour les 3 mois. Si ça se trouve, c'est ça. Juste, je t'ai pas vu, moi je capte un beignet, toi tu tues et tu crois que c'est moi. Enfin, tu crois que je t'ai vu et du coup tu m'accuses. Tu captes un beignet. Tu captes un beignet. Non, mais j'ai vraiment vu. J'ai rien d'autre à dire. Oh, peu cher, tu captes un beignet là. Tu es du coup Mintos à la sortie de com. On était collés, Mintos et moi, on était collés tout le temps. Parce que le round d'avant, on s'essaye vu qu'on a passé une éternité ensemble. Du coup, on se suivait. En fait, on s'est dit, je pense que mentalement, on s'est dit, on va rester collés et faire les 4 ensemble. J'ai Beacon pour le faire Ludwig Van Palouf. Plus ou moins foiré. T'as dû voir Mintos. Merci pour ce signe. Veuillez cesser immédiatement. Je pense que t'as juste dû voir Mintos sortir du truc et tu t'es dit tu vas faire le double kill avec Bagheera. La question par contre c'est qui était avec toi. Parce non, que du je, coup on franchement... aurait pu identifier les deux. En fait. Je peux pas te laisser dire ça. Moi j'ai fait mes tasses récentes. Je le dis et même je vote. D'ailleurs je vote contre toi. Eh bien. Tu mens. Ok, 1-0, balle au centre. Je m'explique, moi j'étais au CAMS pour regarder où vous étiez parce que je vous trouvais pas et que j'avais peur de rester toute seule. Je suis descendue par le bas en faisant une de mes tasques restantes, il m'en reste encore. Et après quand je suis remontée, moi j'étais partie pour aller à droite de Weapons et je n'ai absolument rien vu. Et je suspecte JDG d'avoir... Enfin, en gros, il a cru, selon moi, mais je vois que ça en fait. D'être un manipulateur. T'as tué, t'as cru que j'étais là et voilà. Il te reste combien de quêtes? Il m'en reste une là. Ok, MV, il te reste combien de quêtes? 2. Ok. Moi, il m'en reste beaucoup et ça me paraît bizarre qu'il en reste encore à des gens en fait. Des cadres. Moi, il m'en reste 0 pour le coup. Ouais. Non, mais sinon, vous pouvez voter Ultia, vraiment, c'est safe. Vraiment, mais pourquoi? Mais parce que je t'ai vu, tu m'émerdes enfin, je t'ai vu, tu es quelqu'un. Eh, au pire, on aide les imposteurs. Honnêtement, il y a des fois, il y a des choses comme ça. Ultia, j'avoue que ta défense, c'est Banon et GDG, il dit donc. Mais c'est pas Banon, j'ai expliqué les tasques que j'ai. Oui, mais personne ne peut t'innocenter. Personne n'innocente. Le fait qu'elle dise j'étais aux caméras pour trouver des gens, pour me faire des potes. Mais mes votes ne marchent pas, mais voter Ultia. En fait, le truc, c'est que si personne ne peut t'innocenter, malheureusement, bon bah. C'est. Aura-t-il le temps? Aura-t-il le temps de le faire? Ouais, MV. Ah mais il bug encore, il est réapparu ailleurs. Il est où? Où est MV? Il est... Ah ça, c'est encore un bug ça. Il aura jamais le temps de faire quoi que ce soit je pense. Hein. Rire de droite. Ah c'est Malétis pour le sub. Bonsoir. 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 Oui. Pour vous en dire comme ça, quoi. Soir. C'est Liago pour les 3 mois. On est d'accord que c'était bien Ultia? Très certainement, mais. Ça du paraît coup, safe alors, en effet. J'étais avec Ponce là pendant tout le game. Y'a pas de mort. Oui, y'a rien, il s'est passé, frère. Non, mais. Ah, c'est Choufleur pour le prime. Ah, d'accord. Que j'ai fini que je suis innocente sur le non-kill, ouais, c'est vrai.
Alors moi j'ai entendu une vente en haut à gauche, si jamais. J'ai vu Django partir vers le... À mon avis, c'est super safe de voter MV, mais si vous voulez pas voter, on vote pas. Ah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est aussi super safe de juste suivre Django, il fait ses quêtes, c'est terminé, bonsoir. Hein. C'est ouais, comme vous voulez. Aussi, ouais. C'est pas faux. Mais je vois pas c'est pas très beau jeu. Pourquoi c'est WAM? Parce que bah, du coup, on sait que c'est pas JDG. Oui. Que je suis quasiment 300% sûr que c'est pas Django. Et... Après, moi, je suis en pleine masterclass. Mais bon, je sais pas, mais je sais pas. Je suis en pleine masterclass, ça me chauffe. Merci, Mercram, pour les 300 bits. Non, mais après, moi, je peux pas... Moi, j'avoue, j'ai rien qui... Marlram, pour les 300 bits. C'est pas d'info sur toi, à part que tu m'as vu un moment. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je skip parce que j'ai rien qui accuse personne. Là, on a rien de rien. Là, non, là, c'est sûr. Moi, je vais suivre le guest de Bagheera qui s'est fait schlass et qui est venu me réconforter dans mon coin en bas, là. Ulti à Rashkit. Rashkit, ça la saoule. Ah, mais je suis sacré. Merci, Pso, pour le prime. Aïe. Terrible. Le syndrome MV. C'est dur. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Oula. Merci, Céleste, pour, les... pour le sub. J'ai pas voté. Hein, moi, j'ai voté. Ah, ok. Ah ouais. Ah ouais. L'ambiance est délétère. Ah bah, c'est bon, là, il est... Ouais, mais alors là, ça va être compliqué. Oh là là, il est dans la merde. Ah non, c'est compliqué. Bah ouais, mais là, vu que plus personne n'a de quête à faire, en fait, les gens suivent les uns les autres. C'est au début qu'il faut faire les kills, ils ont été trop lents. Ils ont été beaucoup trop lents à faire les kills au début. Et du coup, bah forcément, vu que plus personne n'a de quête à faire, bah on suit ceux qui font les quêtes. Et du coup, là, c'est trop tard, ils sont groupés. Trop compliqué. Et là, ils veulent kill, mais sauf que bah... Ouais, mais non, bah ouais, là, il est en panique totale, le pauvre. Lis tes messages. Waouh, j'avoue. Mais ça, je les ai déjà lus, tout ça. Bah ouais, mais les autres sont tous en... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, faudrait limite qu'ils attendent là-bas tout seul et qu'ils viennent un par un. Ouais, mais non, ils vont finir leur quête, en fait. Là, c'est trop tard. Trop compliqué, MV. GG. Par contre, il n'y avait plus le temps. Oui, oui, je sais. Je m'excuse. Non, mais c'est ok, c'est ok. De quoi? Ah oui. On est d'accord, MV, que t'es réapparu pas autour de la table à un moment? Non, en fait, j'étais full buggé, mais je l'ai pas dit. Oui. Parce que t'es imposteur quand t'es buggé. Ouais, souvent, c'est ça. Moi, j'ai été buggé en crewmate. Ah ouais? Ah. Ah, je suis dégoûtée, MV, je suis désolée, il n'y avait jamais un moment pour kill quelqu'un. Jamais, il y avait toujours quelqu'un d'autre, enfin, c'était vraiment infaisable, vraiment pas. Je vais remake la salle du coup, je remake la salle. On reste sur Paulus si ça vous dérange pas? On est d'accord que le truc sur Bagheera Mintos, c'était un double kill un peu tardif. Ouais, je l'ai foutu un peu dans la merde, j'ai tué Bagheera en remontant et toi t'es arrivé à droite. Je vous ai mis le code. Quel assassin. DJ Beacon pour le sub offert à Lara. Il est moins drôle, mais il est plus. Mais la Ramistretta. Ramistretta. Non, pas trois imposteurs. Ah. Ah, il est quand même très joli ce code, moi je trouve. Ouais. Merci, c'est si. Tout à fait, accepte le prime. C'est vrai que j'ai commencé à faire un petit livret des codes avec mon appréciation. Ah oui, c'est ça, ouais. Ça se trouve, je voyais pas JDG pendant la game, c'est pour ça qu'il a report derrière Cash. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, t'as MV, t'as Kill Bagheera à côté de moi, et en fait, il y a Mintos. Merci Fire Davidoff pour le prime. Vers moi au même moment. Et toi, t'étais parti vers le haut. Moi, j'ai vu personne. Du coup, ils allaient me voir sur le corps de Bagheera, et du coup, j'ai paniqué. J'ai cru qu'au début que JDG, que Mintos était seul. Du coup, je l'ai tué, JDG lui a pressé le pas. Voilà. Ah, par contre, MV Ultia, Perma, c'est tout le temps, ensemble. Hein. C'est insane. Bah là, j'ai remake, donc ça va peut-être changer un peu, mais ouais, effectivement. Ça fait 3 semaines, mais beaucoup. Ouais. Oui, c'est sûr. Bon, allez, je lance, messieurs, dames. Let's go. Bonne chance. Bonne chance. Amusez-vous bien. Oui, amusez-vous bien, oui. Let's go. Et oui. Mintos, MV. Ouais. Il reste longtemps, Leclerc. C'est Ultia, je crois. Django, Cam. Bon, allez, un petit flagrant délit, là. Ça ferait plaisir, là, histoire que ça aille rapidos, là. Qu'on en finisse.
Ouais, j'avoue, ouais. Ils sont tous à droite, c'est ça. So hot. So hot. Déjà, ils se baladent un peu, non ? MV, Bagheera, il tire fou, oh là là. Oh là là. D'où MV vient de par là ? Bon, ce Bagheera Ultia. Rire de droite. Je crois que Django a lancé une petite mode. Bon, ok. J'ai compris le message. DFG, JDG ensemble. Oh, mais c'est en train de la hype. Incroyable. Mais n'hésitez pas à sub surtout, bien sûr. Mais pense, t'es là depuis 1000 ans, quoi. Incroyable. C'est Jabik. Kun. Ouais, ça doit faire assez CMP Céleste. Intéressant. C'était où? Mais attendez, on est avec les 200 bits. Desod pour les 200 bits. Oh là là, Calcifer Bagheera, pour le Prime. Sérieux. Yannemann pour les 5 mois. Emil Wayhat pour les 3 mois. Bad Wolf pour les 100 bits. Putain, mais Bagheera, mais c'est... ça se fait pas. La pire soirée. Bonne année. Et bonne année. Pas pour année. Les Prime. Pardon. C'est pas moi, pour une fois, je vous le jure. Si vous voulez leur dire quelque chose, faut le dire. Enfin, dis-lui au lieu de la tuer tout le temps, quoi, pour le con. Aïe aïe aïe. Bon, bah maintenant qu'on en est là, Bagheera, c'est la dernière fois qu'on t'invite. En fait, on n'aime pas jouer avec toi, en fait. On savait pas comment te le dire, donc on a décidé de juste pourrir la soirée. Voilà. Ok, donc c'est en bas à gauche de storage, donc oh. Près du spawn. Bah, de toute façon, vous devez vous en douter si vous étiez près d'action. Et moi, juste avant ça, j'étais en train de faire ma deuxième partie d'essence en haut à droite et j'avais Mintos dans le coin qui semblait remonter de peut-être ce coin-là. Et je suis redescendu et j'ai... Merci Thioras pour le Prime. Pinnacle pour les 100 bits. Oui, bah je t'ai croisé. Moi, j'étais en train de faire le jerrycan près de la tour de droite et je t'ai vu. Ouais. Et ensuite, je suis t'es reparti labo quand je descends. C'est toi qui reporte le corps. Quelqu'un a recheck vitals il y a dans les 5 secondes là. Non, mais il est mort, Bagheera, pardon, elle est morte il y a 10 secondes grand max. Parce qu'elle était pas. Attends, moi j'ai rien vu à ce niveau-là. Merci Bad Wolf pour les 1000 bits. Yosh pour le sub à faire la communauté. Bagheera est morte où? Bibu Clem pour le prime. En bas, la petite, le labyrinthe, la petite tour à côté. Avivabou pour le sub. Merci beaucoup. Offert à la communauté. Ah ouais, mais pourtant. Et tu reportes maintenant? Hein? C'est pour le sub tier 3 à faire la communauté. Ouais, c'est très agressif là. Moi je donne les infos. Je remercie après. Non attends, c'est moi qui suis pas qui vient de report MV. Mais moi j'étais. Mais comment tu peux report quelqu'un qui est à l'autre bout de la map? Mais non, j'étais au cam et j'ai rien vu. Voilà, salut. Non, non, merci, Mintos, je te croise. Mais je suis défoncé ou que je te croise un petit peu. Mintos, je te croise en haut à droite, enfin en haut à droite, près du spawn, près de la tour des stabilisateurs. Je fais ma deuxième essence, je pars en bas à gauche, et juste à gauche de l'entrée de storage, il y a un petit mini-jeu, et c'est là qu'il y avait le cadavre. Okay. Entre storage. Non, mais Mintos, ça marche pas parce que MV, quand il parle comme ça, il est innocent en fait. Entre MV et moi, les portes viennent de se fermer, donc je pourrais même. Dans votre relation, tu veux dire? Ouais, à l'instant. On était dehors, donc les portes, oui, et éventuellement si t'es rentré. Merci pour tous les subs, je remercie après, j'écoute un peu. T'étais dans le coin. Ensuite, ça générait de votre part à tous. C'était peut-être dans le groupe, le stack qui était avec Bagheera avant, j'en sais rien. Mais justement, mais nous, on a quitté Bagheera après Electrical, et c'est ça où. Après, c'est pour ça que je me demandais si t'avais des infos MV. C'est Nocturnus pour les 6 subs offerts. J'ai vu Mintos avant ou à droite. Ouais, c'est énorme. Énorme. Oh non, oh les pires, je vous déteste. Alors moi j'avoue j'ai voté pour Mintos, mais... Moi j'ai pas voté, j'ai rien fait. J'étais au cam et je vous ai tous vu en bas à O2, il s'est rien passé, salut. J'ai rien vu. Super, merci. J'ai déjà quand il voit rien, généralement c'est qu'il est coupable. Merci Yoshi pour les 100 bits, Kevkos pour le prime, putain je peux pas tous vous remercier là. Je remercierai après, pendant quand on aura fini la game ou quand je serai mort. Si je meurs et que... Et voilà, je vous remercierai à ce moment-là. Désolé. C'est juste que je vais me concentrer. Bon, je fais pas les lights, hein, je fais mes quêtes parce que j'ai pas foutu grand-chose encore une fois. Ça, c'est le prix d'être aux caméras.
de droite. Merci encore à tous. Merci après. Après, la technique, en fait, ce qui est bien quand t'es ici... Balkany sait qu'il pourra compter sur tous ses... Ce qui est bien quand t'es ici, c'est que... C'est qui ? Pense. Rire de droite. Je n'ai aucune vision sur cette partie. Bonsoir. 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 Donc c'était absolument pas Mythos. Absolument pas. Où est le cadavre? Bah en même temps, il se défendait quand même avec une véhémence. Donc ce n'était ni Mythos ni MV, d'accord. Où est le cadavre? Il est juste au-dessus de storage sur la route de labo de droite. Toi, t'étais Je vois, ouais. J'étais avec lui tout le début du round. Mais même là, t'es remonté avec lui de spécimen? Ouais, je suis remonté avec lui de spécimen et juste moi, il me restait les câbles à faire, donc je les ai fait en sortie de sas de décompression. Lui, il est parti, il y avait quelqu'un d'autre, mais j'ai pas vu qui c'était. C'était JDG qui était là aussi. C'était ouais, moi, alors moi, je suis toujours dans il était très hot d'ailleurs. Okay. MV, je l'ai croisé il y a pas si longtemps que ça, il y a genre moins d'une dizaine de secondes, et j'ai vu, il est parti, parce que j'aurais pu l'innocenter, parce que je l'ai littéralement vu faire médical devant moi, en fait. Mais par contre, il est parti avec Django, Rivenzi, et peut-être DFG, je suis pas sûr, c'est parmi ces trois-là. C'est à quel moment ? Je les ai pas croisés. C'était il y a moins d'une dizaine de secondes. T'as dit qui les trois pseudos ? DFG, Django. Alors, DFG, si c'est laboratoire, c'était pas moi. Non, mais je sais plus, je n'étais pas en fait. Donc, je sais qu'il y en a deux sur trois, donc j'étais spécimen moi, donc c'est pas possible que ce soit moi. Là, 10 secondes, c'est pas moi. Je t'ai croisé, Rive ? Oui, on s'est croisé sas de décompression en haut de... Quand exact, pardon. Parce que je sais que j'ai croisé deux personnes et je me suis dit, ah tiens, ces deux-là, ils circulent beaucoup à deux. Et c'était juste un peu avant que MV se fasse Schlass. Peut-être, toi t'étais où Antoine ? Est-ce que ça serait pas un... Moi j'ai beaucoup été derrière la bibliothèque, Ponce peut le confirmer. Il se masturbait derrière la bibliothèque, je l'ai vu plusieurs fois. Et Ponce se masturbait pendant que je me masturbais. Oui. Je sais pas, parce que je l'ai vu passer, je te dis, je suis quasiment sûr que parmi les trois DFG, Django et Rivenzi, il y en a deux qui sont partis sur la gauche. Rive ? Mais j'ai pas vu DFG moi. JDG, t'es parti où après Combs? Moi j'ai fait Combs avec JDG à un moment. Moi j'ai de gros doutes sur... Moi j'ai fait l'upload, je crois que t'as fait l'upload aussi. Parce que t'as fait France Info Finistère, t'as fait des trucs avec eux, non? Ouais, ça m'est arrivé de temps en temps. Ouais, et pourquoi tu m'as jamais dit que le 21 septembre il y a eu un article qui est sorti sur toi? C'est les règlements de compte. Bon bah je vais voter pour Rivenzi, hein, effectivement. Il est capable de mentir sur ça, il est capable de mentir maintenant aussi sur son état d'imposteur. Mais j'ai pas menti. Mais... Oh, allez, c'est bon. Tu nous l'as jamais dit, Rivenzi. Je vote Rivenzi, c'est bon. Mais non, mais. Vas-y, du coup, t'as mis ton sourire menteur. Dans sa voix. Ouais, je vote Rivenzi. C'est un menteur. Mais non, mais vous êtes sérieux? Mais non. Mais bon, vous êtes sérieux? Mais vraiment? Mais non, mais les gars. Mais c'est impossible que ça soit. Mais non, mais les gars. Mais vous êtes. Mais non, mais. Mais Pompon? Mais. Ça n'a aucun rapport. Je suis pas tout seul. Les gars. Moi, j'ai mis ça. Bah, parce que c'est France Info. Putain, mais non, mais c'est pas vrai. Mais non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais n'importe quoi, mais... J'en reviens pas qu'ils aient... Mais... Mais on est dans la sauce, du coup. C'était peut-être pas lui. Franchement, si c'était lui, c'est très très chanceux, mais... Ah mais c'est terrible. Rire de droite. Oh là là. Oh non putain, j'ai les...
J'ai l'essence à... Mais attends, y a pas de lumière? Non mais putain, mais j'y crois pas, Ponce, quoi. Mais vous êtes sérieux à avoir voté de Rivenzi, quoi? Mais moi, je pensais pas que les gens allaient voter Rivenzi, j'ai dit ça vraiment... Ah mais moi, j'ai sauté sur l'occasion. Mais putain, mais... Je sais pas si tu comprenais DFG, j'étais en mode, je vote Rivenzi. Mais n'importe quoi, quoi. Mais what the fuck. Trop marrant. Mais c'était pas mal sans les... Ouais, trop marrant. Putain, Baguera. Désolé, Baguera. Attendez, je reviens dans 2 minutes. Je reviens dans 2 minutes, j'arrive. Je suis tellement désolé. Du coup, désolé, ça va être un peu chiant. Je coupe la VOD ici. Au revoir.